Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Isaac, Repentance. On va jouer à Zazel. C'est parti. Et la souris, va-t'en. Va-t'en la souris. Ah oui, je peux pas me... Non mais j'ai vraiment pris ça. Ancien tricol card. J'y mange, j'avais déjà débloqué. Le fond vert. Le fond vert, ça va pas du tout. Alors attendez 2 secondes. Ok, normalement là, ça doit être bon. Enfin, ça devrait être mieux. Bon, par contre, on a ça. On a l'orbital. Du coup, les shops sont gratuits maintenant, étage 1. C'est quand même beau. Bon, Azazel, personnage du plaisir, hein, qui a un laser, qui fait beaucoup de dégâts. Un jour, j'arrêterai de piffer les pilules. Hein. C'est plus fort que moi. Non, mais une fois qu'on a trouvé des pilules bien, on est content. Toujours pareil. Mais en attendant, on s'emmerde. Bon. Après voilà, Azazel c'est un peu le perso de la facilité, hein. Je vous avoue, je prends pas beaucoup de risques en jouant avec Azazel. Mais, en fait c'est justement pour ça que je joue avec Azazel. C'est que vu qu'au début du jeu, t'as toute une phase où faut faire le boss 5 fois je crois. Enfin le boss, le cœur de Mom quoi. Donc, bon. Autant le faire avec des persos. Des persos agréables à jouer, quoi. Genre, je vais peut-être pas le faire avec Magdalene, si vous voulez. Bon, bah, le HP up, hein, on prend. J'ai rien laissé. Il y a potentiellement le shop. On loot pas grand-chose. Bon allez vas-y mets les 4 pièces. Voilà. Mettons l'argent dans la machine. Pour ça de prix. Alors pour l'instant on a vu des machines à chaque shop si je dis pas de conneries. Donc Oh la bibliothèque. Enfin des machines de dons. Machines de dons d'argent à chaque shop. Je sais pas si je l'ai bien dit. Mais. Oh, j'ai pas de bombe. Je ne réalise qu'après avoir clean la salle que je n'ai pas de bombe quoi. Autant éviter de se faire toucher. Hein, tant qu'on peut. Pas de bombe certes, mais j'ai des clés. Mais ça me sert à rien. Ah si, ça sert maintenant. La synergie agréable, la synergie du plaisir. Oh nice. Oh je suis content. Oh il avait une autre tête lui. L'explosif. The Fool. Mais c'est trop bien. Oh là là. Eh ouais. Ouais, je sais, je triche. Je triche, je vole. Voilà, le petit basement boy, Splinker. Mais encore un HP up. On va le prendre maintenant ou pas? On le prend maintenant. On le prend maintenant parce que... Ah tiens. Rare. Parce qu'en fait, il y avait un truc. Je crois pas que j'en ai parlé du coup.
Mais je me suis posé la question, vu qu'on a vu qu'on pouvait pas prendre les... On pouvait pas prendre les deals à 3 cœurs bleus, quand on avait pas 3 cœurs bleus. Est-ce que là, si j'ai un cœur rouge, je peux prendre The Mark? Parce que normalement, oui. Avant, on pouvait. Mais là, est-ce que j'ai envie de faire le test? Non. Je prends pas le risque, hein. Tant pis, hein. Parce qu'imaginez, on tombe sur un monde, on peut pas prendre The Mark. Je veux pas que ce monde arrive. Donc on perd un familier. Honnêtement, on s'en foutait un peu. Sister Maggie, je crois que c'était elle. Hein. Je crois que c'est ça le familier. Ça par contre, c'est excellent. Excellent, excellent. Alors, ce thème-là, je sais toujours pas ce que ça fait. Hein. Bleed me dry. Je crois qu'on n'avait pas déterminé ce que ça faisait. Hein. J'ai pas de bombe. Quand même terrible ça. J'ai pas de bombe, j'ai pas d'argent. On s'en va. Hein. On se casse. C'est encore ouvert. Ouais. Mais je ne prendrai pas Sister Maggie. Donc là, on est en Curse of the Blind. Ce qui fait que tous les objets qu'on va pouvoir voir. Nous serons masqués. On m'adore. La meilleure curse. C'est faux. Je suis pas touché. Hein. On m'a pas touché. En vrai, avec un laser, ça va les orbitales. Parce qu'on perd pas la visée. Si je veux attaquer tout droit, j'attaque tout droit, quoi. C'est pas... Bon, voilà. Donc, je pense que l'orbital... C'est le moment le moins pénible pour le jouer. Ah non. Ah non. Eh ben on va s'amuser hein. Oh, antigravitationnel, le pire objet. Déteste cet objet. Avec un... Bien sûr. Ah oui non mais... Oui. Oh c'est bon, on peut y aller. Oh. Avec un brimstone, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Yes. Ball of Bandage. Bon, ça, c'est bien. Et Perfection. On prend. Bon, c'est jusqu'à ce qu'on se fasse toucher, mais... Pour l'instant, on s'est pas fait toucher. Et on a débloqué Eve. Voilà. Nickel. Donc c'est parfait parce que j'ai même pas eu à faire gaffe au fait de pas prendre de cœur pendant deux étages. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai cette merde. Voilà. La perfection. On va pas durer. Mais le pire objet en blind, quoi. Le pire objet à avoir en blind. J'ai reset pour cet objet. Hein. Là, on va pas reset parce que, bon, déjà, c'est les parties du début. Et bon, bah. Au moins, on aura pris l'objet, quoi. Mais. Quel enfer. Hein. Allez, prends l'argent. Prends la pièce. Secours. Allez-vous-en.
Demi-John là. Bon, c'est vrai qu'on a un bon tir rate par contre. Donc je peux quand même les générer assez vite. Mais qu'est-ce que c'est chiant de tirer comme ça. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas accès au challenge room. Hein. Genre, il faut que. Faut genre qu'il me reste un cœur. C'est ça le délire. Pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai 12 clés, vous me direz. Vous me direz, j'ai 12 clés. Non, mais. On sait jamais, hein. Petit Magic Mushroom là. J'oublie. À chaque fois, j'oublie que je tire comme ça. Vraiment, je tente, hein. On sait jamais. Ah non, j'allais dire, il y a la secret là, mais non. Bon. De toute façon, j'ai utilisé mes bombes comme un. Elles sont stylées les nuances de couleurs qu'ils ont mis. Ah bah, meilleur objet. Dommage qu'on ait pas un item qu'on... Ah bah oui, du coup ça compte pas comme prendre des cœurs ça. C'est trop fort. Oh, il est d'une autre couleur, il est marqué. Ouais. Je crois. Non mais c'est la run. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Je vais pas... Non, je... Non. Non. Non, on prendra pas Soy Milk. Putain, imaginons, on aurait eu blind là-dessus. Oh non, oh là là. Ah. Pas tout seul. D'accord. Ce n'est pas très efficace. Attaquant. Non mais je peux pas prendre Soy Milk. C'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse. C'est vraiment trop de la merde comme item. C'est un tier rate incroyable, fabuleux. Mais c'est plus de dégâts. C'est la fin des dégâts. Et avec un Brimstone qui fonctionne à délai, je pense qu'on a déjà suffisamment d'handicap là. C'est bon. Peut-être pas se rajouter le handicap de j'ai le pire item du jeu. Parce qu'en vrai, Soy Milk. Ouais, tu dois avoir une ou deux synergies. Enfin, t'as des cas où Soy Milk ça peut être bien. Mais c'est tellement rare. Ça n'arrive tellement jamais. Or que ça, bon. Ça sert à rien parce que j'ai un laser de merde et en plus il est décalé. Ah, yes. Mais ça me dépasse. Ah, je me suis fait toucher par un ennemi d'élite, je crois en plus. C'est pas augmenter mon tier rate. Je sais pas, je crois pas. Mais. Il semblait que ça avait un effet en plus. Non, après les éclairs carry. Je pense que les éclairs. Ouais, ouais, les éclairs c'est vraiment le bien. Ouais, clairement. Yes. Je pourrais utiliser mon livre. Le problème, c'est que j'ai pas envie de. J'ai envie de garder mon ampoule. Yes. J'avais oublié ma carte, hein. Je vous avoue que j'avais oublié que je l'avais. Ah. Bon, le Guppy Scholar, en vrai, c'est marrant, mais... Par contre, ça, c'est bien. Le petit War of Babylon. Allez, hop. Toujours plus puissant. On peut s'en aller, hein. On va faire ça. On perd nos stats, certes.
Mais... ce n'est que temporaire. Oh, quel enfer! Les éclairs. En vrai, les éclairs. Non mais... Je sais même plus ce que ça fait, le bouchon. Le problème des trinkets, c'est que je sais pas. Ça change rien. Mais attendez, j'ai de la portée là. Ah oui, ça a augmenté ma range. Le transcendantal, je crois. Je crois que ça augmente la range, ouais. Bon. Donc, ça aurait été bien de l'avoir sans le... l'anti-gravity. Anti-gravitationnel. Pourquoi j'ai des cornes comme ça? C'est stylé, mais pourquoi? Merci. J'allais jamais m'en sortir. Ok. Bon, mon livre est chargé. Je pourrais le réutiliser. Ouais. Ah bah. Hop là. Petite batterie. Petite batterie du plaisir. Non mais viens. Bouffe. En fait, il faut qu'il bouffe le laser. S'il bouffe le laser, on est bon. Voilà. Bon, j'ai 12 clés. On se met à distance raisonnable du feu. Hop. 149 pièces. En vrai, ça avance bien quand même. C'est quand même marrant. Ah, une vraie batterie. Ça va, ça existe toujours les vraies batteries. Je crois qu'on n'avait pas encore vu. Hein. Bon bah du coup... Voilà. Petite batterie du plaisir. J'ai pas... Ouais, j'ai pas la Treasure Room. Ah mais c'est Jamom. Je pensais qu'on était Death One, my bad. Bon bah, tant pis. Hein. Non mais ça devient relou. Tu veux pas m'attaquer? Pourquoi elle veut pas me donner de coup de pied? Merci. Merci. La latchkey. Ah! Ah bah on a le boss rush. On fait le boss rush. On fait vraiment le boss rush avec ce build. Les clous. Les clous c'est du damage up. Le two shot je crois que ça me servira à rien. Le familier ça peut toujours être utile mais c'est bon, vas-y. D'accord. C'est toi le deuxième. Au secours. C'est un miracle, hein. Qu'on se le dise, c'est un miracle, hein. D'accord, c'est toi. Mais non. C'est sûr que j'allais me le prendre, hein. Il est où? Il est en haut? Je crois qu'il s'est tué sur le rocher en fait, ce con. Raté. Il est où l'autre? C'est qui? C'est Pine? Ok. Quel enfer. Ok.
Après, pour l'instant, niveau vie, on est très bien. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai aucun doute là-dessus. Oh, le doublé. Ok. En fait, faut que j'arrive à réussir à bien placer mes... mes antigravitationnelles. Et ça va le faire. Pas grave, on perd des dégâts. C'est trop charge vite. Voilà, chais. J'aurais pas dû prendre maintenant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est acceptable. Oh, mais l'électricité, hein. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a fait ça? C'est un nouveau truc qu'ils font, les Steven, là? Saloperie. Ah, mais il est pas mort, en plus. Mais meurs, meurs, au bout d'un moment, meurs, j'en peux plus, meurs. Merci. Oh non, pas toi. Je vois qu'une menace ici, et c'est toi. C'est bon, y'a plus de menace. Y'a plus de menace. Et là, je me fais toucher. Pas le droit, pas le droit. Pas le droit de me faire toucher, pas avec ce que j'ai dit. Ah, par contre, faudrait le toucher. Voilà, parfait. Coucou. Ça se passe bien, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis satisfait. Saloperie. Ah bah oui. Attends, deux secondes. Faudrait mourir les araignées. Merci Bandage Girl. Il m'a complètement carré sur ce coup. Merci. The Nail est apparu dans le basement. Bah voilà. Connerie. C'est une affaire rondement bien menée. Ok. Voilà, on aura fait un petit boss rush en plus. On est efficace, c'est bien. Au moins, ce sera fait. Et plus à faire. En plus, The Nail, c'est pas si mauvais que ça. C'est des dégâts en plus, un cœur blanc en plus. Oh, c'est pas mal. Non. Ah oui, en plus, mes mouches doivent faire des dégâts de ouf. Parce qu'en vrai, j'ai pas mal de dégâts. Oui, bon, puberté, ça va. Mais non.
Bon bah je suis remboursé. Tout va bien. Je t'ai eu. Bon. The devis, ça me sert à rien. Après ça, ça me fait plaisir. Le petit pentagramme là. Petit pentagramme du plaisir. J'avais pas un cœur bleu avec le pentagramme avant. Bon. Et du coup maintenant les Devil Deal restent ouverts. Si tu retournes dans la salle du boss. J'ai l'impression que ça a été le cas à chaque fois, mais. Je suis pas sûr. Si c'est le cas, c'est bien. C'est une bonne info. C'est un bon changement. Alors ça, on s'en fout. Ça, je crois que ça fait apparaître le pied de maman à des moments, donc... même pas on s'en fout, c'est que c'est dangereux. C'est inconscient. Récupérons des cœurs bleus. Je veux dire, ça peut pas faire de mal. Allez, viens, viens, viens. Panic button. Ok. Je sais pas s'il en a pas parlé dans un post, Edmund Macmillan, s'il te plaît. Enfin, ça me parle. Ce trinket. Ou alors il était dans le petit burf. J'en sais rien. Mais. Ou peut-être les deux. Peut-être qu'Edmund Macmillan en avait parlé dans un post et qu'il était dans un petit burf. Mais je sais pas à quoi ça sert. Mais je suis bien avec mon ampoule. Je vous avoue. Je vous avoue que mon ampoule elle est quand même pratique. Ils prennent tellement la sauce, c'est beau. J'adore ça. En vrai, si y a moyen du coup d'aller dans les Dark Rooms au début, c'est de me TP avec une. Comment ça s'appelle ? Non. Me TP avec les salles de sacrifice. Ah. J'aurais pris un coup. Est-ce qu'on essaierait pas de voir si on peut pas gratter? Mais qu'est-ce qu'on peut gratter en fait? Le problème c'est que... Justement à part une TP, qu'est-ce qu'on peut vraiment réussir à gratter? Parce que le problème, c'est que... je vais rien avoir qui va me TP. Ah. Je crois que ça déplaçait la bombe, mais je pense pas que ça l'a déplacé assez. Je sais pas ce que je cherche. Mais... Ou alors la super secret. Est-ce que la super secret pourrait me mener au... Je vois mal la super secret me mener à Satan, mais bon. Toujours tenté. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah après, à part si le Devil Deal me mène chez Satan. Directement. Infested. Si le Devil Deal me mène directement chez Satan, ça peut se... Ça peut se tenter. Enfin, jusqu'à Sheol plutôt, mais... Mais non, mais... Arrête de tirer. Ouais... Bon, ça, je peux faire ça. The fool.
Ça, je sais pas vraiment pourquoi je le fais, mais au moins c'est fait. Bon, et la super secrète, elle serait où? Elle serait pas du tout là. Bon. Bah voilà, il suffisait de demander. Ça marche, le pire c'est que ça fonctionne. Comment ça? Bon c'est bien, parce qu'au moins j'ai encore mon War of Babylon que je n'avais plus. Auquel je ne pensais plus, hein, je vous avoue. Mais pourquoi j'ai perdu toute ma vie? C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup exploré le Sheol la première fois. Plus qu'une bombe. Enfin, plus que deux bombes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais... Charmant. J'aime pas cet endroit. Hein. Ah ça va, vous êtes des visages rassurants. Je vous connais, vous. Putain, mais les zones ont... Y a des nouveaux ennemis qui changent un peu l'ambiance de la zone. Bah ouais, mais... En fait, quand t'as une main de môme qui menace de te tomber dessus, un peu plus compliqué de te concentrer. J'ai si peu de vie. Un demi-cœur, je peux. Surprenante cette salle. Je vous déteste, je vous déteste. On a trouvé le boss, c'est bon. Tôt. Timing de merde. Ouais bon. Non mais de toute façon j'ai trop de vie. C'est mort, j'ai trop de vie le jeu. Trop tard. Je peux plus me stopper. Ah merde. Bon, est-ce qu'on cherche encore... On chercherait pas encore un moyen d'escroquer le game? Même si là, je sais pas si c'est possible. Est-ce que je risque pas de mourir en faisant ça? Petit danger quand même. Ça peut être dangereux. Hein. Après, il nous reste plus grand chose à clean. Et au moins ça nous permet de voir d'autres mobs du Sheol. Vraiment on a une petite marge quand même. On a encore un peu de temps avant de mourir. Vas-y. Ah eux hein.
Peut-être qu'ils mettent moins de temps à apparaître qu'avant. C'est possible. Ouais, salut. Bon bah. Donc là, à moins de super secret, ça va être compliqué. Et la super secret peut être partout. Là. Non. Là, peut-être. Ouais. Mais c'est nul à chier. Bon, tu donnes quoi? Yes. Bah, il donne des objets liés à des bombes. Surprenant. Surprenant, hein. Allez. On la connaît cette fin normalement, non? Bah ouais. Ouais. Et la queue du démon est apparue dans le basement. Bah très bien. Voilà, on continue nos win streak. On continue ces parties du plaisir. On a réussi avec Azazel. Il y a un truc qui me trigger. Non, c'est bon. On a réussi avec Azazel. En plus, on a fait boss rush aussi. Non, c'est pas mal, hein. Vous voyez, regardez, avec Lazarus, on n'a pas fait le boss rush. On l'a fait avec Bethanis aussi. Non mais c'est très bien. Pour l'instant, voilà, on avance un peu plus loin qu'on est censé faire. C'est toujours cool. Hein, voilà, on gratte un petit peu. On débloque des trucs en avance. Voilà, c'est bien. Et on progresse petit à petit. Il nous reste plus que 3D. Faut combattre encore 3 fois le cœur. Et on pourra commencer à vraiment jouer au jeu. Petit à petit. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quel personnage on jouera la prochaine fois. Peut-être un petit Judas. Un petit Judas. Ou un petit Isaac. Je sais pas, non, un petit Judas là, ça me tente bien. Petit Judas là. Après c'est vrai qu'on a Eden. Mais Eden c'est trop tôt. Non, Eden c'est trop tôt. Bref. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.